Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est toujours moi de Samospita et là vous êtes sur la chaîne 2, monsieur le russe 225. Voilà, donc comme vous le voyez là, ici nous sommes à l'institut Doha qui se trouve au Qatar. Et ici, les admissions pour la rentrée de février ou de d'août 2024 sont déjà lancées. Donc ceux qui sont vraiment intéressés à aller étudier dans le monde arabe, voilà, vous êtes déjà les mieux spécifiés et puis vous êtes déjà les mieux représentés. Donc, comme je le disais, ici, vous pouvez déjà postuler. Pour ceux qui veulent faire la licence, le master et le doctorat, vous pouvez postuler. Mais la bourse que je vais essayer de d'énoncer ici et essayer aussi de mieux détailler ici, ça concerne que ceux qui veulent faire le master ou bien des recherches, c'est-à-dire doctorat ou bien master recherche. Voilà, donc, pour pouvoir postuler déjà, vous devez être mieux orienté. Je vais essayer de mettre le compte, le site ici en français. Comme ça, ceux qui sont intéressés vont déjà essayer d'appliquer pour pouvoir postuler à cette bourse-là, à l'application et à cette bourse. Donc, dans un premier temps, vous devez savoir que vous n'avez pas à faire grand-chose. Ce que vous allez faire ici, vous allez juste vous inscrire pour avoir une admission. Et lorsque vous recevez une admission, il y a comme ça l'université qui va vous envoyer un lien en ce qui concerne la bourse et vous allez appliquer à la bourse tout simplement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est juste pour l'admission et après aussi vous allez postuler à la bourse vous-même. Voilà, donc je vais vous montrer un peu les informations dont on a besoin pour pouvoir le faire sans problème. Donc comme vous le voyez là, ici la date limite de candidature, ça va jusqu'au 15 janvier 2024, mais mieux vous postulez rapidement et vous êtes prêt à déjà à aller y étudier. Ok, donc ici quand vous venez là dans affaires étudiantes, si vous venez sur admission ici, vous allez voir un peu les descriptions en ce qui concerne la bourse. Donc moi, je viens par là et déjà ici, vous pouvez déjà cliquer là pour voir les conditions, admission et conditions. Voilà, ou bien vous pouvez venir aussi là pour voir les dates limites. Voilà, donc si je clique là, n'oubliez pas, il y a deux types de bourses sur cette plateforme là, mais vous devez savoir laquelle des bourses vous devez postuler. Vous devez comme ça venez ici, on vérifie là rapidement admission et date limite. Ok, ici l'admission en ligne est ouverte depuis le 4 septembre. Voilà, donc ça fait déjà un mois. Et ici la date limite c'est le 15. Voilà, donc ici le 4 septembre, la date limite c'est le 15. Donc vous voyez que c'est masters et puis doctorat. Voilà, donc ici je reviens là pour voir admission ici. Je vais essayer de vous montrer un peu les types d'admission et aussi les bourses que vous pouvez postuler. Donc déjà, je vais mettre en français, comme ça, pour ceux qui doivent voir un peu rapidement. Ok, donc ici, transcription et évaluation, ça c'est pour doctorat. Mais moi, je suis plus axé sur ceux qui veulent faire le master. Voilà. Et le service d'admission évalue les relevés de notes soumis pour s'assurer que les candidats ont obtenu les notes minimales requises. Donc ici, évaluation académique. Voilà, tous les candidats qui réussissent l'étape d'évaluation des relevés de notes sont évalués par les membres du comité d'évaluation académique dans leur programme académique respectif. À ce stade, l'évaluation prend en considération tous les documents et certificats soumis par le candidat, tels que son dossier académique, son curriculum vitae, sa dissertation académique et aussi sa déclaration personnelle et ses scores ISS TOEFL. Donc, en ce qui concerne les scores ISS TOEFL, ce que moi je vais vous dire est très simple. Si vous pensez que vous n'avez pas de certificat en anglais, le seul moyen est que vous maîtrisez l'anglais. Ça, il faut être sûr. Voilà. Je répète encore que ici, c'est plus l'arabe qui prime sur l'anglais. Mais il souhaite que vous compreniez un peu l'anglais. Alors, si vous pouvez aller comme ça voir votre université, pour que l'université puisse vous déclarer ou bien vous délivrer un certificat de connaissance en anglais, vous pouvez aller chez votre rectorat ou bien vous pouvez aller chez votre comment je vais dire ça, vous pouvez aller voir votre directeur
de lycée ou bien voire directeur d'université, voilà, ou bien même voire prof d'université, ils vont écrire une recommandation pour vous si vous n'avez pas, ou bien si vous ne voulez pas aller chercher un certificat en anglais pour venir postuler. Et lorsque vous allez trouver le certificat en anglais, ou bien vous allez trouver la recommandation en anglais et que vous allez postuler ici, il y aura de l'interview pour vous prouver que vous maîtrisez vraiment la langue anglaise. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous dire. Et ici, le bureau d'admission reçoit la liste finale des candidats présélectionnés une fois que les membres du comité d'évaluation académique ont terminé leur évaluation. La liste définitive des étudiants admis est délivrée après approbation du doyen de l'école, conseil d'admission et puis le prévôt. Donc, ici, j'ai fini de vous parler de ça. Après, il y a évaluation de l'entretien. Voilà, ça, je ne vais pas aller trop vite en besogne. Donc, ici, après cela, si moi je viens sur les bourses, parce que c'est ce qui nous intéresse, les bourses d'études ici, voilà, je vérifie rapidement les bourses d'études pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo-là. Je vais mettre en français ici. Ok, donc, les bourses d'études, voici les types de bourses d'abord, ici. La bourse de la première phase des études doctorales. Cette bourse, ça c'est pour la bourse des doctorats. Donc, ce qui veut faire, excusez-moi, ce qui veut faire le doctorat, vous pouvez lire là. Comme je l'ai dit, je suis plus axé sur ce qui veut faire le master. Et ici, aucun étudiant ne peut cumuler la bourse de l'institut avec une autre bourse, quelle qu'en soit la source. Ok, donc vous devez avoir une seule bourse pour pouvoir étudier chez eux. Seuls les étudiants ayant un bon résultat académique continuent de bénéficier des bourses de l'institut. L'institut peut, conformément à ses procédures, retirer les bourses aux étudiants qui ne respectent pas les exigences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez là-bas et que vous avez une bourse, si vous ne travaillez pas bien, ils vont vous retirer la bourse. Voilà, donc les bourses sont offertes, ok. Les bourses sont offertes par bénéficiaires aux étudiants ayant bénéficié de la même bourse au cours, ok. Donc ici, les types de bourses, comme je vous l'avais dit, il y a deux types de bourses. Donc essayez vraiment, vous voyez cette bourse-là, il y a la bourse Tamim et puis il y a la bourse Sanad. Donc la bourse Tamim, c'est quoi? Ces bourses sont basées sur le mérite et l'excellence académique. Il est dédié aux étudiants qatariens et internationaux les plus distingués du monde arabe. Voilà, donc vous avez bien entendu, du monde arabe. La bourse comprend une couverture totale des frais de scolarité. Les étudiants internationaux de l'extérieur du Canada bénéficieront d'un hébergement gratuit, vous voyez, dans les dortoirs de l'institut, d'une allocation mensuelle et en plus d'une assurance maladie. Voilà, donc si vous pensez que vous vous trouvez là, vous pouvez déjà postuler à cette bourse-là. Maintenant, ici, ces bourses sont basées sur les besoins financiers des étudiants. Il est dédié aux Qatariens d'abord, aux résidents du Qatar aussi et aux étudiants internationaux. Vous voyez qu'ici, ils n'ont pas spécifié. Donc, les étudiants internationaux qui vont vouloir postuler auront une grande probabilité de participer à cette bourse-là, la bourse de Sanad, voilà, que celle de Tamim. La bourse comprend la couverture des frais de programme 10 à 100%. Ça veut dire que si c'est 10 à 100%, vous allez devoir prouver avec vos documents, votre dossier, que vous méritez vraiment une bourse à 100%. Vous voyez? Sinon, s'ils évaluent et qu'ils se trouvent, qu'ils peuvent, par exemple, comme ça, vous donner une bourse à 50% ou bien à 70%, vous voyez que vous aussi, vous allez mettre la main à la poche pour pouvoir solder votre scolarité. Donc, les étudiants extérieurs au Canada bénéficieront d'une couverture aussi complète de leurs frais de scolarité, en plus d'un hébergement gratuit dans le dortoir de l'institut, d'une allocation aussi mensuelle et d'une assurance aussi maladie. Voilà, donc vous comprenez, c'est assez important. Ok, ici, comment s'inscrire? Pour s'inscrire, c'est assez simple. Tous les étudiants admis peuvent postuler pour une bourse via le formulaire de demande de bourse. Le bureau des admissions envoie le formulaire, c'est ce que je vous disais, envoie le formulaire de candidature à tous les étudiants éligibles. Les étudiants ont la possibilité de soumettre leur candidature avec tous les documents officiels et requis. Donc, une fois que vous allez soumettre votre candidature et que vous êtes admis à l'université, voilà, c'est en ce moment-là que l'université va essayer de vous envoyer un formulaire pour pouvoir postuler à la bourse. Donc, ça veut dire que la bourse, c'est sous réserve d'admission. Si vous n'avez pas l'admission, vous ne pouvez pas postuler à la bourse. Voilà. Maintenant,
On va pas aller dans les frais de scolarité, voilà, parce qu'on veut tous postuler à la bourse. De toute façon, si vous postulez et que vous n'avez pas obtenu la bourse, vous pouvez voir les frais de scolarité pour voir combien est-ce que vous pouvez appliquer, vous pouvez payer. Ok, donc pour appliquer ici, je viens sur application ici. Voilà, donc dans un premier temps, on va voir rapidement comment est-ce qu'il faut appliquer. Ils ont déjà bien détaillé. D'abord, on vous dit de créer une candidature sur le portail. Après ça, les candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature. Les candidatures en double ne seront pas prises en compte. Ok, après cela, les candidats peuvent enregistrer la progression de leur candidature et postuler en plusieurs sessions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez et que vous n'avez pas encore la candidature ou bien le passeport, en ce moment-là, vous pouvez enregistrer et revenir plus tard pour pouvoir mettre les éléments en ligne. Et les candidats doivent télécharger tous les documents de candidature via le portail en ligne. Ok, les candidats peuvent demander des références en ligne via le système de candidature en ligne. Ok, les références reçoivent automatiquement la demande de référence et peuvent remplir les formulaires de référence en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, ici le 5 par exemple, les candidats peuvent demander des références en ligne via le système de candidature en ligne. Ça veut dire qu'en réalité, une fois que vous postulez, ils vont vous demander comme ça le mail, le nom, prénom et le mail ou bien les mails des recommandations, c'est-à-dire des professeurs qui doivent vous recommander. Et j'ai déjà dit que pour avoir des recommandations, soit vous parlez à votre professeur qui se trouve, un professeur avec qui vous avez des liens assez étroits, vous avez des liens assez communs, vous voyez. Et ces professeurs-là, vous leur demandez, vous leur dites clairement que vous voulez postuler à une bourse ou bien une admission au Qatar. Alors vous allez avoir besoin de leur aide en ce qui concerne des recommandations. Et ces professeurs-là, s'ils donnent leur accord, vont vous donner leur nom, prénom et leur email. Et lorsque vous prenez le nom, prénom et leur email, ici sur la plateforme, ils vont vous demander cela, vous insérez. Et lorsque vous allez insérer, ils vont leur envoyer le 6, ils vont leur envoyer automatiquement des formulaires à remplir en votre sujet. Voilà, donc lorsque vous allez renvoyer, ils vont demander des éléments, c'est-à-dire comment est l'étudiant, est-ce que l'étudiant est travailleur, voilà, comment est-ce que vous l'avez rencontré, comment est-ce que, voilà. Mais je répète encore que ce n'est pas obligatoirement des professeurs que vous devez choisir. Vous pouvez prendre aussi des chefs de société, mais ce que vous ne devez pas faire, vous ne devez jamais, jamais prendre une personne de votre famille pour être votre référent. Voilà, n'oubliez pas, c'est très important. Vous pouvez prendre des maîtres de stage, vous pouvez prendre des personnes avec qui vous avez eu des liens, mais ce ne sont pas des liens familiaux, c'est-à-dire vous avez travaillé pour cette personne-là et tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, en 7, les candidats peuvent vérifier le statut de leur référence en ligne et rappeler à un arbitre ou créer une nouvelle demande de référence même après la soumission de candidature. Voilà. Donc, ici, c'est très simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand vous allez donner, par exemple, comme ça, le mail, vous allez envoyer le mail et le nom sur cette plateforme-là. Si la personne qui a reçu, vous voyez, si par exemple la personne qui a reçu ou bien le prof qui a reçu le mail pour remplir les éléments, les documents en votre sujet, si cette personne-là ne répond pas, par exemple, comme ça, au message ou bien ne répond pas vraiment à cette candidature, si vous voyez cela, et que vous pensez qu'il prend assez de temps, ou bien qu'il ne veut pas vraiment remplir votre candidature, en ce moment-là, vous pouvez venir là, vous prenez une autre personne, vous pouvez venir sur la plateforme et vous changez son nom. Quand vous changez son nom, vous mettez un autre mail, ils vont renvoyer un message à ce mail-là que vous avez mis nouvellement. Voilà, donc c'est assez important, essayez de voir cela. Ok, donc après ça, une fois que vous finissez, voilà, les documents dont vous avez besoin, on a une carte d'identité officielle ou bien un passeport. Ok, il y a un baccalauréat et une maîtrise certifiée. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire le doctorat. Bon, j'ai dit que je ne le faisais pas pour le doctorat, je fais pour le master. C'est presque les mêmes choses. Voilà, rien ne change. Il n'y a pas grand-chose qui change. Ici, par contre, en ce qui concerne le master, vous pouvez prendre un document d'identification, pièce d'identité pour les Qataris et voilà, relevé de notes de premier cycle. C'est-à-dire la licence, les étudiants de dernière année doivent soumettre tous les relevés de notre obtenues à jour. Donc, si vous êtes par exemple comme ça en licence 3, vous pouvez soumettre déjà les relevés de notes de la licence 1, licence 2. Voilà, mais je vous préviens de compléter aussi le baccalauréat, c'est assez important même si ce n'est pas écrit ici. Certificat de fin d'études ou diplôme pour les diplômés. Ok, après ça, vous pouvez ajouter votre CV
Et ici, j'ai déjà expliqué résultat du TFNESS ou déclaration officielle. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ici, on dit ou déclaration officielle attestant que le diplôme a été enseigné en anglais comme langue principale d'enseignement. Après cela, vous faites une déclaration personnelle. Voilà, la déclaration personnelle peut être comme une lettre de motivation. Voilà. Et après cela, vous faites de l'essai académique pour les candidats de l'école de sciences sociales et humaines. Donc, ceux qui vont choisir ça vont faire de l'essai académique. Ok, donc, une fois que c'est fini là, vous pouvez maintenant faire quoi? Vous pouvez venir là. Une fois que vous connaissez déjà tous les éléments qu'on vous demande, voilà, vous pouvez venir là, demande d'admission. Vous cliquez sur demande d'admission et vous allez pour faire votre application. Donc, nous, je clique sur demande d'admission ici. Voilà, et je me retrouve là. Et quand je me retrouve là, il y a ça et ça, et il y a enregistré. On dit pour les nouveaux applicants, vous devez vous enregistrer d'abord. Donc, moi, je clique sur nouveau applicant ici. Voilà, pour m'enregistrer. Et ici, là, pour m'enregistrer, on me demande le nom. Le premier nom, le second nom, l'adresse, et puis une confirmation du mail. Voilà, vous voyez qu'ici, ils ont mis en arabe. Voilà, ici, si j'écris ici, vous pouvez aussi vous enregistrer en arabe ou bien en anglais. Donc, c'est pas un problème. Donc, ici, le prénom. Je vais choisir un prénom. Ok. Et mon nom de famille. Ok. L'élément qui est le plus important, c'est mon adresse email. Donc, je mets toujours l'adresse que j'utilise pour les bourses. Ok. Donc, confirmation de l'adresse. Ok, donc une fois que j'ai fini, je vais soumettre ici. S'il y a un problème, ils vont me dire qu'il y a un problème et je vais les rectifier. Des applicants, ici on me dit que j'existe, excusez-moi. Ici on me dit que j'existe déjà. Donc ce qui veut dire que, en réalité, comme j'ai déjà fait l'année passée, peut-être, voilà, donc je suis toujours dans les paramètres. Voilà, mais j'ai oublié un peu le mot de passe et tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais changer ici le mail qui est là. Je vais mettre un autre mail. Ok. Donc, j'espère que ça aussi, je ne l'ai pas encore utilisé. Si je l'ai déjà utilisé, je vais aussi changer. Donc, ok. Je crois que ça aussi, je l'ai déjà utilisé. Ok, je crois que ça aussi, je l'ai déjà utilisé depuis l'année passée. Donc, je vais changer aussi. Voilà, juste pour vous montrer un peu. Donc, une fois que vous utilisez les années antérieures, vous ne pouvez plus, les réutiliser ici. Ok, donc on va essayer ça pour voir si c'est pas encore utilisé. Ils vont me dire cela et puis on va avancer. Ok, ici je crois que c'est faux. Nien, doit, je dois have received email. Nien. Donc ici on me dit que j'ai reçu un mail. Donc le mail, je dois aller l'utiliser et puis essayer d'appliquer sur le mail pour pouvoir déjà continuer ici. Donc moi je vais aller directement dans mon mail et de là-bas. On va utiliser les renseignements pour pouvoir appliquer ici. Ok. Ok, donc comme il est dit là, voilà, j'ai reçu le mail et je vais mettre en français aussi. Voyons voir, je vais mettre en français comme ça, vous allez lire en même temps que moi. Ok. Donc ici, on me dit que je ne peux pas traduire, ok, il n'y a pas de problème.
Donc, on dit que j'ai déjà reçu tout. La date limite, c'est le 15 janvier 2024. Ok. Please refer donor programme. Ok. About access, application access. Voilà. Username. Voilà. Et voici mon password. Donc, eux-mêmes, ils ont déjà créé un password pour moi. Donc, pour aller sur le site, je vais devoir juste cliquer là et je vais insérer ces éléments qui sont là. Voilà. Donc, ici, je vais cliquer là pour aller sur le site. Donc, je clique là pour aller sur le site. Ça va me donner un peu l'interface d'enregistrement. Voilà, qui va me permettre comme ça de mettre les éléments qui sont juste ici. Voilà. Donc, moi, je copie ce qui est là. Je copie rapidement. Ici, je copie. Je viens là. Voilà. Ça sort là, mais c'est en arabe. Je vais mettre en français. J'espère qu'ils vont m'aider à le mettre en français. Ok. Ça me refuse. Donc, je vais mettre en anglais. Je vais choisir l'anglais ici. Voici l'anglais qui se trouve là. Ok. Donc, une fois que ça passe en anglais, c'est déjà bon. Parce qu'on ne maîtrise pas l'arabe. Donc, on va prendre la phrase en anglais. Voilà, ça sort en anglais. Donc, je mets ici. Le username, ils ont dit que le username c'était quoi? C'était mon email. Donc, je prends le username en tant que mail, je mets là. Et puis le password que j'ai eu ici, c'est ce qui est là. Je copie tout ce qui est là. Et je viens aussi, je l'ajoute ici. Ok. Donc maintenant, je vais essayer d'aller sur le site pour voir si ça passe. Si ça ne passe pas, ils vont me dire que ça ne passe pas. Je vais devoir reprendre à zéro. Mais. Si ça passe, alors on pourra déjà essayer de continuer. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, essayez d'insérer le mail qui est assez important. Essayez d'insérer le mail qui est valide pour pouvoir recevoir vos indications. Et vous allez recevoir et le mail et vous allez recevoir aussi et votre mot de passe. Donc on attend pour voir un peu ce que ça donne. Ok, donc voilà ce qu'on a trouvé. Donc ça, c'est assez simple. Vous allez faire création d'application. Vous allez faire create application ici. Vous allez cliquer là. Et lorsque vous allez cliquer là, voilà les éléments qu'on vous demande pour pouvoir créer l'application. Et vous cliquez sur start application ici. Voilà. Et vous voyez là, vous allez maintenant mettre votre... vous choisissez. Ici, je vais prendre... Si vous choisissez ce qui est là, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je peux prendre économie ici. Pour l'instant, voici les universités qui sont disponibles, les filières qui sont disponibles, donc les universités plutôt. Donc moi, je prends l'université d'économie, voilà, et j'ai choisi, je fais un master, voilà, en ce moment, je peux choisir mon programme. Mon programme, je vais prendre un programme, bon, la faculté de développement économique, voilà, et je vais soumettre pour aller de l'avant, pour pouvoir essayer de mettre tous les éléments qu'on demande en ce qui concerne, pour pouvoir voir que si ça fonctionne ou bien ça marche, vous allez voir juste à côté là. Voilà, donc voici tous les éléments que vous devez remplir. Voilà, et ceux qui ont des soucis ou bien qui ont des questions à poser, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais comme ça essayer de vous aider à répondre. Mais n'oubliez pas, vous devez aller de 1 jusqu'à 11. Donc ça veut dire qu'il y a 11 pages que vous allez remplir. Alors du courage à vous. Et puis voilà, les gars, c'était mon examen hospital juste pour vous aider un peu à comprendre pour ceux qui m'ont posé assez de questions. Donc à plus et puis surtout. Prenez soin de vous, les gars.